En couture. Ông chủ nhiệm lớp, bậc cao hàm to, các chuyên gia can đến tế bào thi sản nam ca, đội đại ông nhiệm lớp ban nhiệm điệp chủ nhiệm năng, tập kỹ cặp bị bực mình hơi hà môn nông đo vị ca chủ nhiệm đo chắc rầm song mặc là về năm bảy miền ca tăng thông lộ đến đào chấm phù xã xây PTC W vùng buôn đời đập bầm bấy chia bờ to nút ông nhiệm lớp miền bầm non sắt đắp nơi sản nam tòa mót bọc kỹ kỳ nỉ nỉ bẹ quan nông quần nào xong rồi bọc xã bình nhã an tử chiết đội miền đặc nông ai cả xa y bởi đội đọc bằng buôn xa 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 phí đài xong mọi ông nhìn ra từ tùa dốc nơi cầm nọt hết này ca sát đập chùm lời xa xấy bẹ bọn tình nâng ca bởi bất chùm bùa chùn chiên là chám ăn lòng tam vị thiên bài sập bằng bờ bấy nâng bài sập bằng bờ buôn này vị thiên tây khăn nông bẹ bọn nâng bánh hà ní mần trái cho bạp chùm bùa bọn nhìn ra xa là tập bông bàn chú nằm nâng đọc hệ kỳ nền nia tam rẻ email cho ngay tì ដល់ពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015ថាប្រសិនបើភាគីមានបំណងឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើសុំរបស់សាភិញ្ញាអន្តរជាតិខាងលើនេះភាគីអាចធ្វើសារណាផ្ទាល់មាត់ឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើសុំនេះនៅក្នុងសមនាការថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំ2015នេះហើយនៅក្នុង អង្គជំរះឲ្យបានយូរបំផុតត្រឹមថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015ហើយពុំមានភាគីណាមួយបានបង្ហាញអំពីចេតនារបស់ខ្លួនថាមិនធ្វើការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើសុំរបស់សាភិញ្ញាអន្តរជាតិនោះឡើយហើយដូច្នេះអង្គជំរះនឹងផ្ដល់វិធានការជូនទៅភាគីនានាដើម្បីធ្វើការឆ្លើយតបដោយផ្ទាល់មាត់ទៅនឹងសំណើសុំខាងលើនេះបន្តែជាបឋមនេះអង្គជំរះសូមផ្ដល់វិធានការជូនទៅ សហប្រញ្ញារងអន្តរជាតិលើកឡើងដោយសង្ខេបនៅសំណើសុំរបស់ខ្លួនជាមុនសិនមុននឹងផ្ដល់មុននឹងស្ដាប់នៅសារណាតបពីភាគីដទៃទៀតលើបញ្ហានេះសូមអញ្ជើញសហប្រញ្ញារងអន្តរជាតិ Thank you, Mr. President. I'll be very brief on my opening remarks. I think the motion is fairly straightforward and is the same type of motion we've made with respect to other new statements that were authorized for disclosure from the other investigations. This particular group is a group of 25 interviews that relate primarily to the issue of the treatment of the CHAM. Some of them are trial witnesses, others are not. The relevance is set forth in our annex, both the description of the documents and the specific issues of the closing order. In terms of 87.4, as stated in our motion, these are documents, evidence that arose after the start of trial. More importantly, as the trial chamber has confirmed in recent rulings, it's the date of authorization by the International Co-Investigating Judge in this case. That is the date the evidence first becomes available. And for all of these documents, those are dates in 2015 when the documents were authorized by the International Co-Investigating Judge to be disclosed. I'll obviously respond to any specific points that the defense may have, but that is the basic grounds for our motion. Oui, Monsieur le Président, d'un commun accord avec mon confrère en copé. Si vous en êtes d'accord, je vais commencer. Merci.
Merci, Monsieur le Président. Au sujet donc de ces 25 nouveaux PV de témoins que le co-procureur international sollicite, dont plutôt le co-procureur international sollicite le versement en preuve, je vais d'abord commencer par les trois documents auxquels nous ne nous opposons pas, en vous expliquant pourquoi. Je vais, pour des facilités de référencement, utiliser l'annexe des coprocureurs E319-32.1 en prenant le numéro des tableaux. Donc nous ne nous opposons pas au document numéro 4 du tableau et pour cause, c'est un document qui a déjà été versé en preuve et il porte le numéro E39350. Nous ne nous opposons pas non plus au numéro 2 du tableau, document E319-24.3.3, puisqu'il s'agit d'un PV d'un témoin ayant déjà comparu. Et c'est le témoin TCW950. Nous ne nous opposons pas non plus au numéro 19 du tableau. Document E319-19.3.95, puisqu'il s'agit d'un témoin qui est cité à comparaître bientôt. Donc, dans la logique de notre opposition depuis le départ, lorsque des témoins ont comparu ou vont comparaître, leurs déclarations antérieures doivent être admises devant la Chambre. Pour le reste, en revanche, c'est-à-dire les 22 autres PV, la défense de Que s'en pense oppose à l'admission en preuve pour diverses raisons, mais notamment sur les textes, évidemment, de la règle 87, que ce soit sur le fondement de la règle 87.4 ou le fondement de la règle 87.3, parce que nous considérons que les conditions de ces règles ne sont pas remplies. Je rappelle, parce que c'est quelque chose qu'on oublie un petit peu avec la masse de 87.4 et la masse de documents que l'on veut faire entrer en preuve venant d'autres instructions, c'est que la règle 87.4 est censée être une règle exceptionnelle. C'est une admission en cours de procédure, c'est-à-dire des admissions en preuve qui interviennent au stade du procès alors qu'il y a une instruction, ça doit être exceptionnel. 87.4, d'abord, il faut que les documents dont il est demandé le versement soient utiles à la manifestation de la vérité. En l'occurrence, on vous demande de verser en preuve des déclarations écrites au lieu de témoignages oraux, auxquels la Chambre, par définition, n'est supposée n'accorder qu'une très faible valeur probante. Pourquoi ? Parce que
Les personnes ne sont pas à l'audience et ne sont pas confrontées aux interrogatoires des parties, et notamment de la défense. Et puis deuxièmement, dans ce cas précis particulier, c'est d'autant plus problématique sur la valeur probante que nous n'avons même pas, comme ça a pu être le cas pour notre procédure d'instruction, nous n'avons même pas les enregistrements audio. Ce qui veut dire que nous ne pouvons pas contrôler le contenu de ces déclarations comme nous avons pu le faire par le passé dans le cadre de notre instruction. Ces PV de 3 et 4 ne sont pas enregistrés de façon audio. Ensuite, c'est peut-être un point qui est peut-être le plus important, la motivation de la demande par les coprocureurs internationaux est particulièrement ténue. En gros, on nous dit que ce sont des documents pertinents sur le segment des CHAM. Ce n'est pas suffisant dans le cadre de l'application de l'article de la règle 87.4. Dans le cadre de la règle 87.4, et là je rappelle votre jurisprudence, notamment votre mémo E131-1, page 4, l'avant-dernier paragraphe, également votre mémo E118-4, page 3, également avant-dernier paragraphe, où vous avez rappelé que la partie requérante doit démontrer que l'admission tardive en preuve en cours des procès doit être... On doit démontrer que l'admission est essentielle ou capitale dans l'intérêt de la justice. Ce n'est pas le cas en l'espèce. On vous demande 22 déclarations écrites au lieu et place de témoignages oraux, avec encore une fois une valeur probante limitée, pour les raisons que j'ai rappelées plus haut, et ces déclarations ne sont ni essentielles ni capitales dans l'intérêt de la justice. Une autre raison pour laquelle nous nous opposons à ces déclarations est le manque de diligence des coprocureurs en la matière. Vous avez rappelé dans un mémo E319-30-1 au paragraphe 3, c'était le 15 septembre 2015, qu'elle attendait des parties, je cite, qu'elle fasse preuve de toute la diligence voulue et qu'elle lui adresse dans un délai raisonnable toute demande visant à l'admission de nouveaux documents, et notamment dès que possible, après qu'elles ont connaissance des pièces qu'elles souhaitent voir déclarer recevables en tant qu'élément de preuve. C'est un rappel que vous aviez fait sur la règle, et ça me paraît logique. Or, la demande des coprocureurs sur l'admission de nouveaux éléments de preuve sur le segment des CHAM est intervenue 3 semaines après le début de la comparution des témoins sur le segment des CHAM. C'est à ce moment-là que C'est à ce moment-là que le coprocureur international a soumis cette demande. Le segment avait déjà commencé. On ne peut pas dire qu'il y ait eu toute la diligence voulue. Sur cette seule raison, leur demande devrait être écartée. Mais au-delà de ça, le manque de diligence se retrouve également sur la teneur même, les témoins même, dont aujourd'hui on vous explique que les déclarations seraient tellement importantes qu'il faudrait à ce stade du procès les accueillir. Alors qu'au moins, je vais prendre 3 exemples, pour 3 cas, les coprocureurs connaissaient bien avant le début du procès l'existence des témoins dont ils considèrent qu'ils sont aujourd'hui si importants. Je prends un exemple très précis. Il s'agit du témoin 2TCW 987. Le coprocureur nous demande l'admission du PV de ce témoin. Je rappelle que, pour mémoire, que nous nous sommes déjà opposés, c'était lorsque la chambre Proprio-Moutou voulait faire comparaître ce témoin. Nous nous sommes opposés à la comparution de ce témoin dans nos écritures E364. Mais en tout état de cause, en ce qui concerne la demande des coprocureurs, nous dire aujourd'hui que ce témoin serait découvert dans le cadre des instructions 3 ou 4, ça ne tient pas, puisque au moins depuis 2008, les coprocureurs connaissent son existence. Et là, je renvoie à des documents qui sont issus des bureaux des coprocureurs eux-mêmes,
à savoir les documents E3/78-27 et E3/53-02, des entretiens qui ont été menés donc par le bureau des coprocureurs en août 2008 et dans lesquels il y avait déjà mention de ce témoin de TCW 987, donc avec la possibilité d'avoir des éléments sur comment retrouver ce témoin, comment l'interroger s'il l'avait jugé nécessaire à l'époque. Ils ne l'ont pas fait. Donc j'ai du mal à comprendre comment aujourd'hui, en 2015, on vient nous dire que c'est tellement important qu'il faut les verser en preuve. Je rappelle également la récente décision de la chambre E363/3 au paragraphe 29, dans lequel la chambre souligne que normalement toute partie qui demande le versement en preuve de nouveaux éléments, et là en l'occurrence elle parlait des coprocureurs, devait démontrer, je cite, que les éléments de preuve visés n'aurait pas pu être découvert malgré l'exercice d'une diligence raisonnable. Là, pour reprendre l'exemple particulier de TCW 987, dans la mesure où cette personne a été mentionnée plusieurs fois dans le cadre d'entretien mené par le bureau des coprocureurs, je ne vois pas comment on peut nous expliquer qu'il y a eu l'exercice d'une diligence raisonnable. Donc sur ce seul point, nous estimons que la demande des coprocureurs doit être rejetée. Un autre exemple, je mets en parallèle que nous maintenons évidemment toutes les objections autres que nous avions nous avions mentionné dans nos écritures E364. Un autre exemple qui démontre que les coprocureurs ont manqué de diligence, c'est pour le PV d'une audition de partie civile, document E319/19.3.203. Là encore, c'était une partie civile dont le PV était disponible plutôt, ou aurait pu être disponible dans le cadre de l'instruction 002, si les coprocureurs avaient jugé que son témoignage était si important, la constitution de partie civile figurait au dossier de l'instruction, ils auraient pu tout à fait demander au juge d'instruction d'auditionner cette partie civile, comme ça a pu être le cas pour d'autres témoins ou d'autres parties civiles. Ils ne l'ont pas fait. Aujourd'hui, dire que son témoignage serait tellement important qu'il faudrait utiliser sa déclaration dans une autre instruction ne tient pas non plus la route. Ils avaient la connaissance de son existence bien avant. Sa déclaration de partie civile existait dans le procès 002. S'ils avaient jugé que c'était si important, ils auraient pu, dans le cadre de demande d'acte, faire une demande dans l'instruction dans laquelle M. Cussampan était parti. Ils ne l'ont pas fait, la demande est tardive, ils ont manqué de diligence. Un troisième exemple, enfin, pour illustrer ce manque de diligence, même chose que pour la partie civile précédente, dans le document, la constitution de partie civile E3/8667 existait dans le dossier auparavant. Si les coprocureurs avaient jugé que ces déclarations étaient si importantes et qu'ils avaient voulu l'entendre dans le cadre de l'instruction, ils auraient pu le faire. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont manqué de diligence. Nous dire aujourd'hui que c'est tellement capital qu'il faudrait utiliser des déclarations dans une autre instruction pour qu'elle soit versée au dossier est une demande tardive et nous demandons qu'elle soit rejetée. Je rappelle à nouveau votre mémo E3/63/3 au paragraphe 30 où vous avez rappelé que ce n'était qu'à titre exceptionnel que les éléments de preuve qui ne répondaient pas aux critères des règle 87.4 pouvait être admis.
dans les conditions actuelles et juste ce que j'ai rappelé, nous ne sommes pas dans le caractère exceptionnel que vous avez énoncé dans cette décision. Enfin, sur un certain nombre de ces déclarations, nous sommes dans le cadre du caractère répétitif tel qu'énoncé dans la règle 87.3. C'est le cas notamment sur le principe, on nous dit qu'il faut absolument verser ces PV sur le traitement des tchats. Or, nous avons des témoins, un certain nombre de témoins, ils sont nombreux, qui ont témoigné sur le traitement réservé aux tchats. Nous avons, a priori, encore d'autres témoins qui doivent venir. Je ne vois pas en quoi ces documents seraient essentiels pour le cadre de ce procès à ce stade-ci. Et c'est répétitif. C'est également répétitif sur un certain nombre de sujets, notamment sur les mariages forcés ou sur les purges à l'arrivée des cadres de la zone sud-ouest. Là encore, on essaye de charger la mule. C'est une expression en français. Et à ce stade-ci, je peux vous dire que nous estimons qu'il y a eu un manque de diligence, que c'est répétitif et que ce n'est donc pas utile de verser en preuve ces éléments. Enfin, il y a ce qui concerne les témoins. Donc là, il s'agit des numéros sur le tableau des coprocureurs sur l'annexe E319-32.1, des numéros 13, 16 et 11 et 12, si on considère le témoin que j'ai évoqué en premier. On nous demande de verser par anticipation des PV d'audience, des buffets d'audition, pardon, de témoins dont la comparution serait éventuellement envisagée, mais sur lesquelles la Chambre n'a pas encore tranché. Dans ces conditions, nous estimons que c'est une demande qui est prématurée. Si ces témoins devaient être appelés par la Chambre, dans ces cas-là, évidemment, comme logique que nous sommes avec notre opposition, évidemment, nous ne nous opposerions pas au versement en preuve de ces déclarations. Mais tant que la décision n'est pas tranchée et tant que nous ne sommes pas sûrs que ces personnes viendront devant cette chambre, eh bien, nous nous opposons au versement en preuve de ces documents. Voilà les courtes observations que j'avais à faire à ce stade en rappelant encore une fois, il ne faut pas oublier que la règle 87.4, est une règle à utiliser de façon exceptionnelle. C'est une exception. Et là, j'ai l'impression que ça devient plutôt une habitude du côté de l'accusation. Et je pense qu'il est nécessaire de mettre le haut là. No, thank you, Mr. President. That was quite exhaustive. We have nothing to add, other than if you allow me to take the opportunity that, to ask you or to remind you rather of a pending motion from our side in respect of six witnesses in relation to the treatment of the CHAM segment. That was E370. We filed that request on the 29th of September. And we are still waiting for an answer. So hopefully soon you will come with a decision when also deliberating on the issue that we just discussed. Thank you. Mr. President, I would like to thank the Chair for the opportunity to speak on this issue. Thank you, Mr. President. I'll do my best to respond. There was a lot of document numbers being going by quite quickly there, so some of them I may not have accurately recorded. Let me do my best that I can here. First of all, I would note
it is correct that since we filed this motion, one of these statements was admitted because it was a document that had been requested by the defense. That, again, this happens quite often here. There are many documents that have information that we consider to be of importance to the court and the defense considers to be of importance to the court. There were others that were not objected to because they were trial witnesses or selected trial witnesses. I'm not sure why counsel is distinguishing the witness, and I don't know if I got the number right, to TCW 987, but I believe they're referring there to the witness who's, we have two statements for here, statements 11 and 12 is the witness that was selected sui sponte by the trial chamber to appear. So it would certainly seem to me that those statements would should be admitted pursuant to the logic of counsel. The arguments about the weight and probative value are arguments just that go to that. They are not arguments that go to admissibility. This court has set out very clear rules based on international precedent about the weight and use that may be made of statements of witnesses who do not appear. So this is not an argument that goes to the issue of admissibility. The issue of some of the standards cited by counsel, there was some fast and loose arguments being made here that merged and confused the rules that have been set by this court. And what I mean by that is that counsel was citing to some standards that have been announced by this court where the requirements of 87.4 are not met. And in cases where 87.4 is not satisfied, documents can be still be admitted that are on an exceptional basis that relate to documents already on the case file. And that was the standards that counsel was citing. Those standards have no application here because these documents clearly, under any interpretation of 87.4, meet the criteria. There is no question about that, that these are documents that came into existence after the start of trial. And that is another distinction that was being ignored in counsel's argument. There's a difference between knowing of the existence of a witness and having a new statement from that witness. The issue here in terms of admissibility of statements has been set by your honors. It is not the fact that we knew a witness existed before. There are many witnesses who exist. It's the issue is when did this particular statement become available to case 002? And your honors have made very clear in the recent decision that counsel cited repeatedly, and I'm talking here about E363/3, your 22 October 2015 decision, and referring to footnote 64. This is a footnote in the section about what documents are considered to be, when they're considered to be available. And this is what you ruled. Quote, evidence from the confidential investigations in cases 003 and 004 is unavailable for the purposes of Rule 87.4 until the Office of the Co-Investigating Judges authorizes the co-prosecutors to provide it to the parties in case 002/02. So, under your own rules, these documents did not become available until authorized for disclosure, which were at various dates. The earliest I'm looking at my computer here, April or May, others in August, and some later than that. So under the terms of 87.4, there's no issue about that. They've argued diligence as well.
Let me just say this. The chamber established a deadline in this very decision for when we had to file 87 four motions for statements that had been disclosed prior to September. You gave us until the end of January, 30 January 2016. This motion was filed well before that. It was filed, in fact, well before this decision even came out. I would submit that there is no question of diligence here. Council is suggesting that because a witness's name, now, I think she was referring here to the witness that Your Honors selected, sua sponte. This is a person whose name came up. This is a person whose name came up during a preliminary investigation. It was not someone that we were able to locate and interview ourselves, and it was only in the course of the investigating judge's investigation that this person was located and interviewed. This person gave two interviews. If you read the first one, it was a very short interview that had to do with a security office and not about the champ. The second interview is the one where the witness, the recent one, is where this witness was interviewed about the CHAM and had probative things to say about that. That is why Your Honors presumably selected this person. And the reason we included both statements on our 87 form motion is because this is a person that had been selected by Your Honors to testify. So even though that earlier statement is in our motion, it is in there because of the fact you selected this witness. That earlier statement itself doesn't talk about the champ. So just so that is clear. The repetitive nature of evidence, we have the burden of proof, a very high burden of proof. We have defense teams who are actively challenging us on every single issue here and at the appellate stage. We all know that these witness statements are used primarily for corroborative purposes for witnesses who do not end up appearing. That is a legitimate use of evidence, and evidence, these statements should not be rejected as repetitive, where a prosecution has a burden of proving things beyond a reasonable doubt. And corroborative evidence can assist that, because we all know that you cannot hear every single witness who has knowledge about these matters. So I've done my best to respond to the documents I was able to keep notes of. If you have any questions, I'm happy to respond. Merci, Monsieur le Président. Je ne serai pas très longue. Simplement, sur le témoin TCW 987, à ce que je sache, il n'y a pas encore de décision de la Chambre suite à nos écritures 364. Donc, Monsieur le Coprocureur indique un peu rapidement que vous avez sélectionné. Pour le moment, nous sommes toujours en attente d'une décision. Donc, ce n'est pas encore le cas. Donc, je maintiens mes arguments sur ce point. En ce qui concerne la réponse sur le fait que je ne pourrais pas arguer de la tardiveté ou du manque de diligence au motif que certaines déclarations n'étaient pas disponibles avant, même si les coprocureurs en connaissaient l'existence. Je suis obligée d'aller au cœur de nos protestations de ces derniers mois, ces dernières semaines, à savoir que ce que je vois effectivement, c'est qu'aujourd'hui, les coprocureurs utilisent les investigations
l'instruction dans 03 et 004 pour compléter les enquêtes qu'ils n'ont pas demandées ou les points sur lesquels ils n'ont pas insisté dans le cadre de l'affaire 02. Et j'estime encore, et je souligne encore, et je répéterai jusqu'à plus soif, que ce n'est pas une manière de procéder. Nous ne sommes pas le cadre d'un procès. La règle 87.4, c'est simplement sur des choses exceptionnelles et non pas pour compenser des choses qui n'auraient pas été faites dans le cadre d'une première instruction. បាទអរគុណនៅរាល់មតិយោបល់របស់ភាគីពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាដែលលើកឡើងជាសំណើរបស់សហប្រជាជាតិឯកសារ E219 ទៅលោកមេធាវីអបិទកូពេថាឯកសារ E370 ដែលជាសំណើរបស់លោកសូមឲ្យស្ដាប់ទៅឯកកម្មសាក់សីចំនួន6រូបពាក់ព័ន្ធមួយនឹងអង្គហេតុការប្រព្រឹត្តចំពោះគោលដៅជាក់លាក់ដែលជនជាតិចាមនោះគឺអង្គជំរះបាននឹងកំពុងតែពិភាក្សាសម្រេចហើយទោះបីយ៉ាងណាក៏អង្គជំរះនឹងចេញឲ្យបានឆាប់ៗបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន Merci, Monsieur le Président. Bon après-midi, Monsieur le témoin. Je vais essayer de reprendre le fil de cet interrogatoire. Je voudrais que nous revenions sur la liste des personnes à arrêter qui vous avait été montrée. Et vous aviez indiqué que cette liste vous a été montrée par Tarin, qui avait remplacé Taval. Et vous aviez indiqué qu'il y avait 100 noms de personnes à arrêter. Est-ce que vous pouvez nous dire, selon vous, qui avait donné cette liste à Tarin? Si je lis votre audition qui figure à la cote E3-9567 à l'ERN en anglais 010-44-770, Khmer 0-10-03-843, vous dites qu'il y a 100 noms de personnes et vous dites que vous suspectez que c'est Tachil qui l'a fourni à Tarin. Est-ce que cela vous rafraîchit la mémoire? ការសង្ស័យរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំបានទឹកជាសង្ស័យអញ្ចឹងមែននេះគ្រាន់ជាការសង្ស័យទេមិនមានការពិតទេព្រោះមិនដឹងទៅណាយកបញ្ជីឈ្មោះនេះបុគ្គលអយតរិនក្នុងការសង្ស័យរបស់ខ្ញុំប្រហែលជាតាជៀលដឹងដែលខ្ញុំបាននិយាយគឺខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹង Est-ce que vous savez ce qui est arrivé aux personnes qui étaient mentionnées sur cette liste? Est-ce qu'elles ont été arrêtées et qu'est-ce qui leur est arrivé? Ban
ពីអង្គភាពអស់មិនដឹងជារត់ទៅខណាខ្ញុំអត់ដឹង Et ceux qui ont été arrêtés, que leur est-il arrivé? Vous n'avez pas répondu à ma question, monsieur. Je vais vous la reposer. Qu'est-il arrivé aux personnes qui, effectivement, ont été អ្នកដែលគេចាប់ខ្លួនបាននោះគេយកទៅធ្វើអីអ្នកដែលចាប់ខ្លួនបានដែលខ្ញុំឃើញជាក់ស្ដែងដែលចាប់បានដែលចាប់ជាមួយខ្ញុំដែលដើរជាមួយខ្ញុំចាប់ដាក់ឡានទៅនោះខ្ញុំក៏មិនដឹងថាគេយកទៅធ្វើអីដែរមិនដឹងថាគេយកទៅសម្លាប់ឬក៏មិនដឹងថាគេយកទៅធ្វើអីគឺខ្ញុំអត់ដឹងទេព្រោះ Est-ce que sur la liste que vous avez eue, dont vous avez eu connaissance, il y avait le nom de personnes que vous connaissiez? Et est-ce que par la suite vous avez revu ces personnes? ពេលលុយខ្ញុំផ្លេចអស់ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំចាំតែ២៣នាក់ប៉ុណ្ណោះទេឈ្មោះផុតពីនោះចាំតែ៣នាក់ដែលនៅស្រុកភូមិជាមួយគ្នានឹងខ្ញុំតែឈ្មោះទាំង៣នោះបាត់រហូតសពថ្ងៃគឺមិនឃើញ Donc, vous nous dites que trois personnes que vous connaissiez ont disparu et n'ont jamais réapparu. Vous avez également indiqué, c'est dans votre audition E3-9567, que sur cette liste figurait également le nom d'un de vos jeunes cousins. Est-ce que vous vous souvenez de cela? Et quel était le nom de ce cousin? នោះគឺជាប្អូនជីដូនមួយខ្ញុំដល់ពីរនាក់ទៀតនោះគឺខ្ញុំភ្លេចនាមតកូលគេខ្ញុំដឹងថាមួយឈ្មោះវិតមួយឈ្មោះស្រេចហើយអ្នកទាំងបីនាក់នេះគឺតាំងពីវៀតណាមចូលមករហូតមកសងថ្ងៃមិនដឹងទៅនឹងហើយក៏មិនឃើញបាត់រហូត Vous avez par ailleurs indiqué qu'un autre de vos cousins avait été détenu au centre de sécurité de Phnom Troyong. Est-ce qu'il s'agit de la même personne ou est-ce qu'il s'agit d'un autre cousin? ឈ្មោះ
ឈ្មោះសឿននោះគឺឃើញមកនៅភូមិរូស៊ីជាមកូនប្រពន្ធតាមតំណើដើមទៅវិញរហូតដល់ការកូនការអើយរួចក៏គិតស្លាប់ទៅសល់តែកូនប្រពន្ធគាត់សពថ្ងៃ Avant l'arrivée des Vietnamiens, vous avez dit, monsieur, dans votre audition que vous étiez allé le voir sur place, au centre de sécurité de Phnom Troyum. Est-ce exact? Est-ce que vous confirmez cela? Pourquoi vous êtes-vous rendu au centre de sécurité? Est-ce que c'était spécialement pour le voir ou y avait-il d'autres raisons pour que vous rendiez là-bas au centre de sécurité? ឬគេចូលក្នុងគុកឬគេដាក់ច្បាក់យ៉ាងណាខ្ញុំចង់ទៅឃើញការពិតដល់ទៅខ្ញុំបានជួបប្អូនខ្ញុំនៅនឹងកន្លែងនោះក៏មិនឃើញមានគេធ្វើអីដែរឃើញអង្គុយវៃថ្មមិនដឹងពីវៃធ្វើអីទេខ្ញុំក៏បានសួរសុខទុក្ខចប់ទៅខ្ញុំក៏ទៅអង្គភាពខ្ញុំរហូតទៅដោយ Vous avez également dit dans votre audition que vous alliez fréquemment rendre visite à vos parents qui étaient à la coopérative. Donc doit-on comprendre que, à la différence des autres travailleurs, vous pouviez vous déplacer librement? Ou bien est-ce que vous aviez à chaque fois à demander des autorisations pour vous déplacer? តាមមុខសញ្ញារបស់ខ្ញុំព្រោះអង្គភាពខ្ញុំមាន 3 កន្លែងហើយខ្ញុំទៅអង្គភាពមួយគេហៅថាស្ទឹងកំបុតហើយនឹងក្បាលក្បីអានោះផ្លូវចំផ្ទះពុកខ្ញុំម្ដាយខ្ញុំបាទហើយកន្លែងខ្ញុំមួយទៀតគេហៅថាគៀនស្បូវ នោះខ្ញុំដើរទៅអត់មានចំផ្ទះពុកម្ដាយខ្ញុំទេមានផ្លូវមួយទៀតដែលខ្ញុំត្រូវទៅអាមាល់បត់ត្រង់គឺផ្លូវជិតនឹងមន្ទីរអសន្តិសុខតយងហ្នឹងបាទបានជាខ្ញុំទៅនោះក្នុងការងាររបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំដើរទៅតាមខ្សែអង្គភាពរបស់ខ្ញុំកលែងការដ្ឋានខ្ញុំ Et est-ce que vous êtes au courant de l'existence d'autres centres de sécurité ou est-ce que vous avez entendu parler de sites comme ceux de Chamkar Dung ou Chamkar Phnol? Je voudrais qu'on revienne un petit peu plus sur le site de chantier de Trapintma. Est-ce que vous pouvez nous dire si, à votre connaissance, il arrivait que des travailleurs disparaissent du chantier? Notamment, est-ce qu'il arrivait que l'on demande à certains travailleurs d'aller suivre une formation ou d'aller aider au transport de marchandises et ces travailleurs ne réapparaissaient plus? Est-ce que cela arrivait? ដែលខ្ញុំនៅមិនដែលមានរឿងចេះកើតឡើងទេដល់ពេលខ្ញុំចេញក៏មិនដឹងថាមានមិនមានគឺខ្ញុំអត់ដឹង
est-ce qu'il y avait des personnes qui étaient chargées d'espionner les travailleurs? Est-ce que selon vous, les travailleurs pouvaient craindre pour leur sécurité? Est-ce qu'à votre connaissance, les conditions de travail, les conditions d'existence sur le chantier de Trapintma ont changé après l'arrivée des cadres du Sud-Ouest? Ce matin, on vous a posé des questions par rapport au témoignage du témoin de TCW 996. C'est le témoin qui avait indiqué que vous auriez assisté à une réunion avec Taval. Et ce témoin, ce même témoin a été entendu et dans un de ses procès-verbaux d'audition, le procès-verbal E3-9-076, lorsqu'on l'interroge sur les conditions de travail dans son unité par rapport aux autres unités qui travaillaient à Trapintma, il a dit ceci, et je vais citer en anglais puisque le document n'existe pas en français. They were difficult. Even my unit also still had we labored every day without holiday and failed to take a rest if we got an illness. We had enough rice, but we were lacking food. We had labor like animals. We didn't know when we might be arrested or killed, we could not ensure that we were safe. Plus tard, lors d'une audience ultérieure, lors de son témoignage ici, à la barre, il a dit ceci, je fais ici référence au fait que nous ne savions pas quand nous allions arrêter de transporter de la terre. Tous les jours, on faisait la même chose. Quand l'on terminait un projet, on passait à un autre projet et nous ne savions jamais quand cela prendrait fin. On se servait de nous comme des bêtes de somme. Donc c'est l'audience du 27 octobre 2015 et ceci a été dit à 11h09. Alors, est-ce que cette description, monsieur, correspond à vos souvenirs? Est-ce que vous aviez la sensation que les travailleurs étaient utilisés comme des bêtes de somme? មានដូចពាក្យនោះគិតនិយាយក៏មិនដឹងព្រោះខ្ញុំអត់បានដឹងហើយចាញ់ទៅនេសាទទៅកាលខ្ញុំនៅអត់មានទេ
Et quand vous étiez présent à Trapintemain, monsieur, est-ce qu'il y a des gens qui étaient malades sur le chantier? Et si oui, de quelle maladie souffraient-ils? ទូរងចាំសម្រាប់សាក់សៃដល់សាក់សៃរូបនេះនៅក្នុងក្នុងពេលជុំសម្រាប់នឹងឲ្យជើងគាត់រួមទាំងមិត្តវិប្រឹក្សាសាក់សៃមកកាន់កន្លែងផ្ដោតសិកម្មក្នុងសុបសម្រាប់ការនេះនៅវេលាម៉ោង 3 ខ្វះ15 នាទីសូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចដំណើរការសម្រាប់ការឯងសូមជួយកោកឈរ